Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Media. Une grande roue panoramique pour attractions à forte sensation est en construction à la place de la gare centrale, dans la commune de Gombe, dans le nord de la capitale de la RDC, suivez. Les travaux de montage de la grande roue de Kinshasa à la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe évoluent normalement. C'est le constat positif fait par le gouverneur manager de Kinshasa. C'était lors d'une visite d'inspection effectuée vendredi 2 février 2024 sur le chantier. Construit sur une hauteur de 60 mètres, cet ouvrage d'art, dont l'inauguration est attendue à la fin du mois en cours, va certes faire la fierté et l'admiration de cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants. Gentil Ngobilambaka s'est dit très satisfait des travaux déjà exécutés. Cette belle place-là de la gare s'est transformée en un vaste chantier, tout simplement parce que nous avons voulu implémenter ici un grand projet. Nous avons voulu installer la grande roue qui va faire la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Il s'agit d'une attraction à sensation et qui va permettre dans les jours qui viennent, parce que nous allons inaugurer à la fin de ce mois, aux gens qui vont pouvoir l'utiliser, donc ils vont pouvoir monter dessus, d'avoir des sensations assez fortes et aussi de pouvoir avoir une vue panoramique sur la ville. S'agissant de la salubrité de la ville de Kinshasa, le premier citoyen de la capitale a renseigné que la situation ira mieux d'ici peu avec l'arrivée à Kinshasa, dès la semaine prochaine, du premier lot d'engins de salubrité commandé par la société partenaire turque Al-Bayrak. Pour lui, le plus important, c'est le travail et non les discours ou les polémiques.
Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement.